belle histoire du jour. C'est un piano qu'il faut sauver, celui du lycée Pasteur de Lille, un Steinway de 1914. Alors, il est en mauvais état. Une cagnotte a donc été lancée il y a quelques jours pour restaurer cet instrument du patrimoine, Lionel Gougelot. Ancien du lycée Pasteur, Paul, élève du conservatoire, retrouve toujours avec émotion ce Steinway Son fabriqué à New York il y a maintenant plus de 100 ans. Par rapport à l'histoire de ce piano, on se sent assez petit par rapport à tout ce passé que représente ce piano et toutes les personnes qui ont pu jouer avant dessus. S'il peut être encore mieux que ce qu'il n'est déjà, ce serait merveilleux. Une vraie pièce du patrimoine qui a bien besoin d'une restauration. La peinture noire est écaillée sur le meuble et le couvercle et les touches d'ivoire sont très abîmées. Il a été beaucoup déménagé, il y a des charnières qui sont en mauvais état. Marie-France Quinet, professeure de musique. Par contre, dès qu'on joue, on a quand même une sensation de puissance assez exceptionnelle. Ce qui est le plus essentiel, c'est les marteaux qui sont un peu tassés avec l'âge, bien sûr. Donc il faut changer tous les feutres, revoir un peu toute la mécanique. Ça implique de tout démonter et de remonter ensuite après avoir fait les ajustements. Mais tout cela coûte très cher. Déjà 3000 euros récoltés dans la cagnotte. Mais Gaspard, élève de seconde, espère que l'on atteindra bientôt les 20 000 euros nécessaires. On est tous concernés par ce projet. On espère passer ces 3 prochaines années, même pour les nouveaux qui arriveront sur un piano rénové. C'est une pièce de musée, du coup c'est quand même important. Un appel à la solidarité pour que de nouvelles générations de pianistes expriment leur talent sur un instrument mythique. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Il faut récolter 20 000 euros pour restaurer ce piano. Pour l'instant, nous en sommes à 3 130 euros.